Allô toi, on va pas se mentir, ça fait un bon bout que j'ai pas parlé de ce qui se passait au niveau de ma vie à Montréal. La dernière fois c'était une vidéo en juin-juillet je pense, où je donnais mon ressenti sur mon expérience du PVT, qui est le permis vacances-travail, qui arrivait presque à sa fin. Je te mets le lien dans la vidéo juste ici si tu veux la voir d'ailleurs. Alors, on est aujourd'hui à 2 mois après que mon PVT se soit fini. Je suis ce qu'on appelle en ce moment un statut implicite, c'est-à-dire que j'ai fait une demande de prolongation de mon visa, pour pouvoir continuer à chercher un travail et travailler légalement sur le territoire. Cette prolongation sera de toute façon refusée au bout d'un certain temps. La deadline est au bon vouloir de l'immigration, et le délai varie en fait de 2 semaines à 3 mois grand maximum si t'es chanceux. Ce qui te laisse le temps en fait de trouver une solution pour éventuellement rester. Tu vas vite comprendre pourquoi je t'explique tout ça. A la base, je voulais faire cette vidéo seulement si j'avais du positif à dire, parce que 2 vidéos d'affilée où c'est mitigé, je trouve ça pas foufou. Mais bon, tant pis. Alors positif ou négatif, on y vient tout de suite. Je replace le contexte si tu es nouveau ou nouvelle. Avant la pandémie, j'étais chef bartender dans un super bar. Et avec la crise sanitaire, eh bien comme pour beaucoup, il a évidemment fermé. RIP. Ce qui fait que je me suis retrouvé sans job du jour au lendemain avec tous mes plans qui sont tombés à l'eau. J'avais prévu de faire mon CSQ, qui est en fait la première étape pour faire une demande de résidence permanente. Cette dernière te permet de rester vivre et travailler où tu le souhaites au Canada pendant 5 ans renouvelables. Mais pour faire ce fameux CSQ, donc cette première étape, je devais être à l'emploi. Là, tu sens que le foutoir y commence un petit peu. J'ai donc cherché une job de façon acharnée. Mais Covid oblige, les places étaient rares, ou ne remplissait pas les critères demandés pour le CSQ. Après 3 gros mois de full stress, et à 1 mois et demi avant la fin de mon PVT, j'ai enfin réussi à trouver un travail. Yay! Avec en plus une promesse de me faire un permis fermé pour pouvoir avoir l'assurance de rester et travailler même après la fin de mon PVT. Car si ton PVT se termine ainsi que ta prolongation, ta demande de prolongation de maximum 3 mois, tu n'as pas de permis fermé, et bien tu dois rentrer dans ton pays obligatoirement. Qu'est-ce que le permis fermé, Jordan? Alors en fait c'est très simple, c'est un visa de travail qui va te lier avec ton employeur pendant une durée de 2 ans. Tu ne peux pas démissionner ou changer de job, sauf cas spécifique. Un permis qui est bien utile, car la résidence permanente met environ 2 ans à être validée. Donc soit tu pars du Canada et tu l'attends ailleurs, ou tu trouves un moyen de pas quitter le territoire, ce qui t'évite un énième immense déménagement. Ça va, je t'ai pas perdu? Donc là tu dis, voilà, t'es plus serein, c'est cool. Nope. Exactement 2 jours de la fin de mon PVT, mon employeur me fait un bon coup de traître et me dit que finalement dealer avec tous ces trucs d'immigration, ça l'arrange pas. Alors elle préfère prendre quelqu'un d'autre à qui elle aura pas à faire de permis fermé. Je perds donc mon travail et l'assurance de pouvoir rester, remettant toute ma vie ici en question. Là, ça devient quand même un bon petit cauchemar pour moi. Je dois donc très rapidement retrouver un travail en demandant directement un permis fermé dès l'embauche pour ne plus me faire avoir et être confronté à cette situation. En plus de ça, ben, j'ai une horloge au-dessus de la tête tout le temps, car à tout moment, l'immigration peut m'envoyer le refus de ma prolongation de visa pour me dire que j'ai quelques jours pour sortir du territoire. Je passe donc des semaines à chercher tous les jours, du matin au soir, une nouvelle job. Je décroche des entretiens qui se passent souvent très bien jusqu'au moment où je parle du permis fermé. Et me retrouve face à un mur. J'avais même super bien réussi un entretien avec 2 magasins de photos et vidéos, mais là on me dit « Hey, on te veut absolument, mais sorry, on fait pas de permis fermé. Par contre, on a une place pour toi dès que t'as un autre permis. » Oui, cet autre permis, je l'aurai dans 2 ans avec ma résidence, normalement. Donc franchement, ça a été vraiment très difficile pour moi comme période. Comme pour tous les gens, je pense qu'ils ont connu cette situation et connaissent cette situation. Pour rien te cacher, ça l'a toujours un petit peu, car je fais face à l'incertitude constante de pas savoir si je vais devoir faire une croix sur ma vie ici. Donc, de ne rien pouvoir prévoir pour les mois à venir, ça je pense que c'est un petit peu pour tout le monde aussi, et il est ardu encore plus de retrouver quelque chose dans cette situation mondiale particulière qui rend en fait les employeurs super frileux à engager des immigrants. Mais... Je suis en ce moment à mi-chemin d'un nouveau travail avec un permis fermé. Je croise le doigt pour que ça se fasse pour de bon, normalement. Et je touche aussi du bois pour que la situation avec le Covid soit très rapidement de l'histoire ancienne et qu'on puisse au moins faire des nouveaux projets sans se stresser un maximum. Mais il faut dire aussi qu'avec le temps, l'idée de devoir rentrer en France ne semble plus si dramatique que ça aujourd'hui. Car après tout, il y a ma famille et la plupart de mes amis proches. Par contre, même si rentrer, c'est pas mon seul premier, c'est une possibilité à laquelle je me suis fait une raison. Mais malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer ici, bien, c'est l'endroit où je préfère vivre et où j'ai envie de rester. Voilà. C'est à peu près tout ce qui se passe pour ma vie ici. Et la prochaine fois, promis que j'en parlerai ici sur ma chaîne, ça sera pour te dire si je suis fixé quant à mon retour à Paris en France, ou si je reste au Canada. En attendant, peace.
prends soin de toi et à la semaine prochaine.